Hello, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Je vous embrasse très très fort. Mettez des petits pouces et on va regarder la vidéo. C'est retour de course au champ et petit bazar. Ok, alors, tout d'abord, j'ai acheté ces biscottes. Hein. C'est des nouvelles biscottes, je crois, à la bretonne, saveur beurre et pointe de sel. Je me suis dit, tiens, je vais goûter, ça doit être sympa. Parce que moi d'habitude je prends les Edebert à 1,65 et là elles étaient à 1,99. J'ai dit mais se foutent de qui là? Franchement c'est plus cher à la c'est plus cher que la Belle Vie, vraiment beaucoup plus cher que la Belle Vie. Je préfère acheter à la Belle Vie. Et du coup comme je suis sortie, vous verrez, j'ai fait un petit passage dans mon parc que j'aime bien parce qu'il y a le printemps, il y a les fleurs, c'est super joli. Et donc du coup je vais à la caisse, je vérifie mon ticket et il s'avère que c'est 2,22. J'ai dit, excusez-moi, mais 2,22, c'est pas marqué 2,22, c'est marqué 1,40. Alors, elle va là-bas, parce que moi je vérifie bien, elle dit, oh, je suis désolée. Je dis, mais ça fait quand même 75 centimes. Ça veut dire que si personne dit quoi que ce soit, vous avez 75 centimes à chaque fois dans votre poche. C'est quand même dramatique. Et c'est pas la première fois. Voilà ce que je leur ai dit. Mais je pense que je vais écrire à Auchan et je vais leur dire parce que ça devient n'importe quoi. Hein. Alors, ensuite. J'ai repris mes ailes de poulet à 2,47 € que je vais faire. Je vais acheter des poireaux. Là, je vais les congeler. Hein. Je vais acheter des poireaux, je vais acheter des carottes et du navet ou alors du fenouil. Je sais pas, ça dépend. Je vais voir ce que je vais acheter. C'est bon jusqu'au 30 mars. Bah écoutez, franchement, moi je les fais comme ça et j'en ai pour la semaine. Voilà, parce qu'il y en a 8 dedans et moi ça me suffit pour ma semaine. Ensuite. J'ai repris du saumon fumé parce que j'ai acheté du saumon fumé l'autre fois. Je ne sais même pas si je vous ai montré les courses. Je ne sais absolument pas, j'en sais rien. Peut-être j'avais été à Lidl. Ouais. Donc j'ai repris parce que je vais faire des pâtes au saumon. Faire des pâtes au saumon. Donc j'ai pris bah, de la crème fraîche pour les pâtes au saumon. Heureusement. J'ai pris de la crème fraîche comme ça pour regarder, mais en fait, il m'en faut absolument pour les pâtes au saumon. J'aurais pas pu faire les pâtes au saumon sans crème fraîche. 2,99 €. Non, mais ça devient n'importe quoi. Je vous dis les prix. Ça, c'était 1,99 €, c'est 2,45 €. J'adore. C'est des cerises morceaux. Alors, moi, j'aime bien faire cuire des pommes. Alors, quand c'est la saison, des pommes avec des brugnons ou des pêches, mais c'est pas la saison. Donc, des pommes et des cerises. Et j'adore ça, franchement. Mais je peux très bien faire pommes, cerises. Compote pommes cerises, c'est une dinguerie. Alors, j'ai pris du beurre parce que j'ai plus envie d'acheter des conneries, gâteaux, chimiques et tout ça. La plupart, ils reviennent, les gâteaux, enfin bref. Donc, du coup, voilà, j'ai changé ma façon de voir les choses, ma façon de pencher. D'ailleurs, je fais un gros coucou à Iliès, qui est un nouvel abonné, qui est venu, on a discuté, vous verrez, je vais le mettre en vlog, je vais faire un vlog et vous le verrez sur ma chaîne. Qu'est-ce que vous allez dire, elle est folle celle-là, elle parle toute seule. Mais non. C'est pour ma chaîne YouTube. Chaîne YouTube? Oui. Attendez, attendez, je suis obligée de checker ça là. Ouais, mais bon, moi je suis plutôt une mémère. Hein. Attends, je suis une mémère, c'est Sybille. C'est Y. Sybille. Sybille. LMD, la Parisienne, LMDS, vous mettez à côté. LMDS, je te connais ou... Non, attendez, je vais J'espère regarder. qu'il y a internet ici. Vous avez vu, il me demande ma chaîne. Sibylle LMDS, il ne va pas trouver. Vous avez trouvé? Oui, c'est moi. Et voilà, ça Et c'est quoi m'abonnait. votre prénom? Moi c'est Lies, LYES. Alors, yes, sans problème, on se retrouve. Moi, je fais beaucoup de vidéos, là, je montre mes courses et tout. Je peux vous filmer? Bien sûr. Et eh ben voilà, Iliès, hein. Le voilà, regardez, un nouvel abonné. Bienvenue. Mais bon, voilà, je suis un peu mémère. Hein. Non, je suis pas mémère. Je suis quelqu'un qui. Je râle beaucoup. Vous faites des lives aussi? Oui, mais je râle beaucoup parce que, comment dire, par rapport au gouvernement. Voilà. Ah, ça me plaît. Ah ben, je Je suis. vais regarder ça pendant ma pause. Du coup, elle est vire. Tout simplement. Alors pourquoi attendez, il s'est abonné? Parce que j'ai dit excusez-moi, peut-être vous allez me prendre pour une folle, mais je suis en train de faire une vidéo. Il me dit vous avez une chaîne YouTube? Je dis oui. Il me dit oh, il dit ça m'intéresse. Et donc il s'est abonné à ma chaîne. Donc en fait, Sibylle LMDS, il l'a trouvé sans problème. Bah, du beurre, tout simplement. Est-ce que j'ai pris du beurre doux? Oui. Voilà, 1,85 €. Ça par contre, c'est parce que c'est pour faire mes gâteaux. Parce que je vais faire un gâteau. La dernière fois, j'ai fait un gâteau, une dinguerie. Je ne l'ai pas filmé. Je vais encore faire un gâteau là, mais je ne pense pas que je vais le filmer. Je ne sais pas.
parce que ça prend du temps de le filmer. Si, peut-être je l'ai filmé, parce que ça me dit quelque chose d'avoir touillé. Si, si, j'ai dû le filmer. Donc voilà, donc je ne le referai pas, je ne le filmerai pas, mais je vous montrerai en temps et en heure. Pas sur cette chaîne-là, en tout cas. 1,19€, des petites friandises pour ma petite-fille. Des champignons que je mange crus en salade. Ça, c'est tout moi. 1€. De la pâte feuilletée. Alors, comme on va manger une quiche aux oignons, une tarte aux oignons ce soir qu'Alain va faire, donc du coup, moi, je vais faire un gâteau. Et du coup, je la garde. J'espère que c'est bon jusqu'à quand. Avril. Ne se découvre pas d'un fil. 1,45€ de la confiture abricot Bonne Maman. J'adore. Je vais devenir une patata. Hein. 1,35€ des sacs congélation. Franchement, ben on va regarder. Sac congélation facile à fermer. Oui, c'est à zip. Hein. On va regarder. Hein. Je vous dirai si ça vaut le coup ou pas parce que ceux de Lidl, ils sont très bien. Attendez. C'est Lidl que j'ai acheté. Ouais, c'est ceux de Lidl. Et je vous recommande sur Netflix un film qui s'appelle La Tribu. Ça va mourir de rire. Comment tu fais pour... Voilà, alors on va ouvrir. Ouais, bah. Ouais, voilà. Je vais regarder, parce que moi, je mets ma salade dedans. Hein. Il a l'air bien efficace. Il a l'air un peu comme celui de Action. Ils ont l'air bien. En plus, là, il y a l'étiquette. Action, il n'y a pas. Mais franchement, ils ont l'air bien. Donc, il y en a combien? Il y en a 25. 1,35€. Donc ça, c'est... je suis assez contente. 88 centimes les carottes râpées. Moi, j'aime bien manger des carottes râpées le soir. J'aurais pu les faire moi-même. Après, des tomates. Alors, les tomates, elles sont hors de prix, mais sauf celles-là. Celles-là, elles sont toujours à 2€. Les autres, elles ont super augmenté. Mais les Azura, la mêlée, à 2€, ben, j'ai repris. Hein. Et, j'ai pris ça pour ma fille. Alors, c'est tout nouveau, ça fait pas longtemps que ça existe. C'est des mousselines au poulet. Et là, vous avez un petit peu de jus, c'est 2,99€. Vous avez un petit peu de jus. Et ben, je vais lui prendre ça. J'ai pris ça, je me suis dit, je vais goûter ça. Je vous ai tout montré. Non. Et j'ai acheté 3,49€ une cocotte, c'est moi, la poule Vichy. Voilà. J'en ai eu pour 40€, un peu moins de 40. Ouais, 40€, 42€. La petite poule Vichy, je la trouvais trop mignonne. 3,49€, franchement, aux céréales, cacaoté. Ça va lui... Voilà. Et une petite plante. Malheureusement, j'ai cassé la... Ben, c'est pas grave. Je l'ai cassée, c'est pas grave. On va... Voilà. Ah ben, il y a la racine, donc je peux la replanter. Regardez, 2€ combien? 2,50€. Elle va me faire une belle plante, celle-là. Regardez comme elle est jolie pour 2,50€. Ça vaut le coup, hein? Et... Ah oui, attendez. Et des petits croissants pour mon fils demain matin. Ce soir, on a des croissants au fromage à manger aussi. Des mini croissants au fromage. Et là, on a des mini croissants pour demain matin, pour le petit déjeuner. Une confiture, myrtille, 50% de fruits. C'est-à-dire 50% de fruits, 50% de sucre. Ça, je vais m'en servir pour le gâteau. Parce que sinon, c'est un peu trop. 1,40€, franchement, elle n'était pas chère. Et bien sûr, je suis allée à mon petit bazar. Regardez. J'en ai eu pour combien? 13,95€. Tu m'as fait un petit peu? Oui. Tu m'as fait combien? 1€? Oui. Voilà. Vous voyez, je vous dis, il me fait toujours 1€. Et des fois plus, hein, ça dépend ce que j'achète en fait. Hein. Ça dépend des achats. Ouais, ça dépend. L'autre fois, il m'a carrément offert un coussin comme ça, qui coûte 4,95€, comme ça. Voilà. Tu vas avoir une carte fidélité. Ah oui, la prochaine fois, tu me fais un cadeau. Allez, bisous! Avec de la confiture. Alors, après, je suis allée dans mon petit bazar. Vous savez que moi, les tapis, c'est ma vie. Alors, ce que j'ai fait, ben, je vous montrerai. Une autre fois, peut-être, je ne sais pas. En fait, j'ai mis 3 tapis comme ça dans ma cuisine. Ça fait comme un grand tapis. Ça fait super. Mais vraiment, ça fait super sympa. Et là, du coup, j'ai besoin d'un tapis pour mettre ben, à côté. J'en ai plein déjà. Hein. J'en ai... Voilà, 8,95€, c'était le dernier, il n'y en a plus, il n'en aura plus. 8,95€, vous vous rendez compte?
Il est trop beau. Et donc celui-là, eh bien, il va aller dans le salon. Voilà. Ensuite, j'ai pris 2,50 un petit pinceau d'une marque, je ne sais pas quoi la marque. C'est une marque pinceau silicone. Voilà, parce que moi, comme je fais des gâteaux maintenant, c'est très bien. Ça va faire dorer. Et j'ai trouvé enfin ma spatule 2,50. J'en avais une. Et en fait, elle est tombée derrière mon derrière ma machine à laver. Je venais de l'acheter en plus. Elle était noire et blanche. Elle était super. Et bien, malheureusement, elle est tombée derrière la machine à laver. Impossible de la récupérer. Je ne l'ai pas trouvée. J'ai regardé partout. Je n'ai pas trouvé. J'ai été derrière la machine à laver. Je n'ai pas trouvé. Alors, peut-être qu'elle n'est pas tombée derrière la machine à laver. Peut-être qu'elle est tombée dans la poubelle ou j'en sais rien. Du coup, j'ai racheté ça. Vous savez que moi, le vert, c'est ma vie. Donc, voilà, j'ai racheté ça. Voilà un peu mes emplettes. Et j'ai pris des glaces, 2,26 €, des glaces aux amandes Häagen-Dazs, comme on aime, quoi. Et puis, j'ai pris du poisson fish and chip. Il y en avait 3 dedans, 3,99 €. Voilà. Voilà mes petites courses du jour. Sur ce, je vous laisse. Je souhaite la bienvenue à Iliès. Vous allez voir, il faut que je fasse des tas de montages. Vous savez, j'ai plein de vidéos, mais le problème, c'est que les vidéos cuisine, j'ai plus envie de les mettre sur ma chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je les mette sur ma chaîne? Sincèrement, j'ai plus envie. Ouais, je vais la replanter. Hein. Et même celle-là, hein. Regardez. Ça, c'est moi dans le transport. Je vais la remettre. Ouais, je vais la remettre. Vous avez vu, il faut que je l'arrose et tout. Franchement, il y a des petites boules. Je ne sais pas ce que c'est, les petites boules. Bon. Mais franchement, elle est trop belle. Voilà. Donc, je vais l'arroser. Je vais m'en occuper. Je vais peut-être mettre du terreau. Ivy, qu'est-ce qu'il y a, bébé? Ivy, c'est pas pour toi. Mais non, c'est pas pour toi. Mais c'est pas pour toi. Ça va pas, non? Non, mais... Mais elle est folle, hein. Elle a ses arts, elle a ses trucs à chat, elle veut manger ma plante. Non, maman, je vais la mettre au frigo, sur le frigo, de toute façon j'avais l'intention de la mettre sur le frigo. Ça va pas, non? Mais ça va pas. Attendez, regardez là. Vous allez voir. Mais ça va pas? Mais depuis quand tu vas manger ma plante? Non, 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 on la mange pas la plante. On la regarde, on la mange pas. C'est quoi ça? C'est nouveau ça? Ça vient de sortir. Alors, j'ai mis le tapis par terre, je l'ai lancé. Mais vous voyez, mes tapis... attendez, je vais vous montrer. Bébé. Alors, pour ceux qui diraient que, voilà, ma cicatrice, elle est vraiment pas belle du tout. Là, je vous la montre bien. Et le souci, c'est que, je vous ai dit, le chirurgien est parti parce qu'il voulait pas se faire vacciner. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Vous avez vu un peu? Non, mais regardez. Maman, il faut qu'elle range le bordel, Ivy. Tu veux faire quoi, là? Tu veux faire quoi? Ouais, tu peux râler. Je suis désolée, t'as pas à râler. C'est quoi ce délire? Ouais, fais semblant de manger. Ouais, fais semblant de manger. Ah, sans les pieds à maman. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Va dans ta maison, là, maman, t'as fait une belle maison. Regardez, vous allez voir. Dans sa maison. Elle est belle ta maison, hein, mon bébé, hein. Ben oui, elle est belle. Hein. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis Namyo Rengekyo. Portez-vous bien. Et puis, moi, je vais ranger mes courses parce que du coup, faut que je les range. Hein. Voilà, et Ivy qui est dans sa maison. Voilà.